Ça y est, on part pour le palais d'été. Ce matin, on s'est séparés. Moi, je devais aller à l'hôpital pour régler un problème que j'ai un petit problème à l'oreille, mais rien de grave. Et après, je suis allé acheter les billets de train pour aller à Xi'an. Et sauf que j'avais lu partout sur internet que ça allait être très compliqué. Et c'était en effet très compliqué. Alors, pour voyager pas cher en Chine, c'est possible, mais très dur. Ça m'a pris une heure et demie. Je parle absolument pas anglais, donc prendre des tickets de train à la bonne heure, au bon prix. Avec quelqu'un en face de toi qui parle pas anglais, c'est quand même assez compliqué. Le palais d'été était la résidence de la mère de l'empereur, qui lui logeait à la cité interdite. Il était peinard, il avait mis sa mère ici. Ici on oublie qu'on est à Pékin, c'est cool, c'est règne la sérénité. Ah, c'est marrant parce qu'en Chine on a un peu l'impression d'être dans le jeu GTA. Quand on visite un endroit, il y a peu de bâtiments où on peut rentrer dedans et on est frustré par rentrer dedans et voir ce qui est intéressant. C'est un peu comme dans GTA en fait. Donc de là, dans cette tour, on peut pas rentrer. Mais en haut, là, en haut à droite, on pouvait rentrer. Donc on est un peu frustré. Voilà. C'est pas ce qui se passe, il y a plein de militaires partout. Ok, ok. Bon, à mon avis, il y a quelqu'un qui est très important qui arrive. Bon, on prend en photo, mais on sait pas qui c'est. Si vous savez qui c'est, dites-le nous en commentaire. En fait c'est très long parce que là, le monsieur est juste là. Le monsieur est juste là, je vous montre. Là. Et toute la visite de là où on est interrompue. Du coup. On peut pas avancer, on peut pas reculer. Oh, il est pas chié quand même. Hein. Le mec s'en perd de moi. Ouais. On sait toujours pas qui c'est, donc si vous savez, dites-le nous. Donc j'ai compté, le monsieur avait 28 gardes du corps. 28. On n'a jamais trop su. Hein. Bon là, j'ai perdu Adrien. Je sais pas où il est. Bon bah j'ai encore perdu Adrien. Je sais pas où il est. Ah bah il est là-bas. C'est fini, Pékin c'est fini. Je repars tout seul. Je déconne.
On n'est pas les seuls à la Pingayo. Quatrième contrôle. Bon, et voilà, on est dans le train. On est les seuls touristes. J'ai pas vu un seul touriste. Tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde parce qu'en plus on se filme, donc les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent. Et l'espace est réduit. Pour exemple, ça se passe comme ça. Donc c'est un peu réduit. Et puis il y a des gens en face de nous, donc on peut pas étendre nos jambes. Ça peut être la meilleure nuit, je pense. Mais bon, comme ça. Dis bonne nuit, Grégoire. Grégoire, tu dis bonne nuit. Bonne soirée. On a déjà fait cette blague, Grégoire. Ouais. Dis bonne nuit, Grégoire. Bonne nuit. On a fait notre première nuit. C'était horrible. J'aime aussi mal dormir que j'ai vu Grégoire pareil. On n'a pas dormi. On va arriver dans 2 heures. Elle est 6 heures du matin. Petit déj du matin, on arrive à Pingao. On va voir ce qu'on peut faire et voilà. Devant un concert absolument magnifique. Je pense qu'ils sont sourds, c'était tellement fort depuis de tympan. On teste des gâteaux avec un mécanisme. Ouais, on va tester tout à l'heure, c'est très très chaud. Ouais. Bon, le mécanisme c'est marrant. Bon, sur la photo, ça vendait plus de rêves que ça. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est champignon, je pense. Non ? Ouais, c'est pas bon. Moi, c'est vachement bon. Tu manges quoi ? C'est 3 fois moins cher. Tu manges quoi ? Des pâtes. Enfin, un équivalent des pâtes chinoises, quoi. Avec une fricassée de légumes. Sur sa julienne d'artichaut. Bon, Grégoire vient avec quelque chose. Bon, en sortant, avant de sortir du resto, je voulais bien sûr me soulager. Je commence à ouvrir la porte des toilettes des messieurs et je tombe sur deux individus qui faisaient le gros besoin, mais tous alignés en fait. Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a rien pour cacher quoi. C'est ça. C'est plutôt cosy. Personne ne se parle, c'est ce qu'il y a à faire et puis voilà. Du coup, on va les soulager nous aussi. Non, j'ai été un peu choqué. Après avoir visité la ville et on a fait quelques provisions aussi, on est à la gare et on attend le train qui arrive dans 4 heures. Ça va être un petit peu long, mais ça va le faire. Dans le train et surtout qu'il y a toujours la même personne qui gueule pour annoncer la station suivante. Il est là. Moi je tiens à dire que je fais une très bonne partie à Snake là et qu'il faut pas me déranger. Je tiens également à dire que Grégoire m'a toujours pas battu et que mon meilleur score est équivalent au triple du sien. Moi j'ai abandonné, c'est différent. Je suis pour le chien, 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 je suis pour le chien